Avant toute chose, je voudrais remercier les organisateurs de cette rencontre pour leur invitation, ainsi que Philippe Hoffmann pour son accueil en 2015-2016 au sein du LEM et du LABEX ASTEC, institution dont le soutien indéfectible aux jeunes chercheurs est à la fois précieux et unique en France. Les recherches dont je vais donner ici un aperçu constituent en effet l'un des résultats de mon postdoctorat au sein du LABEX ASTEC. Elles s'inscrivent dans le champ des études philologiques et portent sur la zoologie antique ainsi que sa réception à la Renaissance. Au cours de mon postdoctorat, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à un court texte consacré aux oiseaux et à leur mode de capture, intitulé « Les ixotiques », d'après le nom de la technique de capture qui consiste à prendre des oiseaux à partir d'un bâton enduit de glu, l'ixos en grec ancien. Ce texte constituait à l'origine un poème rédigé probablement au IIe siècle de notre ère par un poète du nom de Denis. Ce poème, attribué à tort par les manuscrits byzantins à un autre poète scientifique du siècle des Antonins nommé Oppien, est aujourd'hui perdu, mais nous possédons une paraphrase en trois livres de la fin de l'Antiquité. Le savoir zoologique et ixotique que renferme cette paraphrase, seul texte uniquement consacré aux oiseaux que nous ait légué l'Antiquité, a intéressé les érudits de la Renaissance et en particulier le philologue et naturaliste Konrad Gessner, surnommé le Pline suisse. Il est notamment l'auteur d'une monumentale histoire des animaux en 5 volumes, soit 4400 pages et 1200 gravures, histoire des animaux décrite par Cuvier comme la première base de toute zoologie moderne. Je voudrais m'intéresser aujourd'hui à sa réception, à la réception de Konrad Gessner de cette paraphrase sur les oiseaux, à son utilisation, ainsi qu'à la façon dont il a pu avoir matériellement accès à ce texte, qui bénéficie d'une tradition manuscrite réduite, puisque elle ne comporte que 17 témoins. Alors, les deux éditeurs modernes de cette paraphrase, Antonio Garcia et Manolis Papatomopoulos, se sont demandé quel a pu être le modèle grec utilisé par Gessner pour sa traduction. Et en s'appuyant sur les variantes portées par sa traduction latine, ils ont conclu qu'il s'agissait vraisemblablement du Scorialensis Y19, codex du milieu du XVIe siècle qui a appartenu à Diego Hurtado de Mendoza, ambassadeur de Charles Quint à Venise dans les années 1540. Me posant à mon tour cette question, je trouvais étrange l'identification du manuscrit de travail de Gessner avec ce livre vénitien qui, après le décès du diplomate, est passé dans les collections de la Bibliothèque royale de l'Escorial en Espagne, il y est passé directement. Je trouvais cette identification d'autant plus étrange que la traduction latine de l'humaniste Gessner porte les traces d'un intense travail d'établissement du texte qui se manifeste notamment dans des conjectures très, très judicieuses. Or, comme vous pouvez le voir, on ne trouve aucune annotation dans le codex de l'Escorial. J'ai donc entrepris des recherches dans les papiers de Konrad Gessner qui sont conservés à la Zentralbibliothèque de Zurich. Et j'ai eu la chance de découvrir un témoin jusqu'alors inconnu de la paraphrase aux ixotiques, dont voici le premier folio. Donc sous la cote C50A sont rassemblés à Zurich mais non reliés des documents disparates du lettré zurichois, dont une partie importante de sa correspondance avec les humanistes européens. Au milieu de ces feuillets répartis dans 3 grandes boîtes, on trouve 14 folios d'un texte grec qui s'avère être la paraphrase et qui a été copié par une écriture professionnelle du XVIe siècle. Ce manuscrit grec n'était pas totalement inconnu puisque les auteurs de l'ouvrage intitulé Konrad Gessner's Private Library l'avaient recensé, mais en en faisant un témoin des scolies aux halieutiques, trompé en cela par une bandelette de papier collée sur le verso demeuré blanc du dernier folio, et qui, cette bandelette mentionne effectivement les scolies aux halieutiques. En réalité, ce manuscrit de Zurich porte bien la paraphrase aux ixotiques, donc le texte qui m'intéresse. Alors, ce nouveau témoin correspond-il au manuscrit de Gessner recherché par les éditeurs? La situation à Zurich dans les papiers du naturaliste et la présence, comme vous pouvez le voir, de marginalia attribuables à une main occidentale sont, de premier abord, des indices forts.
Cette main occidentale que vous pouvez voir qui intervient assez régulièrement et numérote les chapitres, eh bien cette main occidentale, l'examen paléographique le révèle, n'est autre que celle du savant suisse qui, à en juger par les différences d'encre et les légères variations de l'écriture, est revenu à plusieurs reprises sur ce texte. Qui plus est, la mise en regard de ce texte et de la traduction latine du De Aviium Natura fait surgir toute une série de preuves philologiques. Je n'en choisirai qu'une pour éviter d'être trop technique. À la fin des pages qu'il consacre au corbeau, dans son Histoire des oiseaux, Gessner disserte sur les différents proverbes qui mettent en scène ce volatile, et il disserte notamment sur l'adage recensé par Erasme, Corbus aquat. Il traduit à la toute fin le chapitre de la paraphrase aux Ixotiques. Sa traduction de la paraphrase aux Ixotiques commence au niveau de la flèche rouge. Et il écrit donc, les corbeaux, je traduis sa traduction latine, les corbeaux sont les seuls oiseaux à approvisionner, et il écrit entre parenthèses, peut-être à ne pas approvisionner, forte et non ministrante, leurs petits en boisson, leur menton étant meurtri immédiatement après leur accouplement. La légende veut que ce soit le châtiment d'une faute ancienne. En effet, alors que Coronis enfantait Asclépios Atriquet, le corbeau, qui était en train de copuler, négligea l'ordre d'aller chercher de l'eau. Le premier élément intéressant dans cette traduction sur laquelle je zoome ici, c'est la conjecture, entre parenthèses, donc, que vous voyez sur la première ligne de l'histoire, de l'extrait de l'Histoire des oiseaux, « forte non ministrante ». Ici, l'érudit introduit la conjecture « non », donc une négation. Et si l'on observe les marges de ce paragraphe dans le manuscrit de Zurich, eh bien, on voit que Gessner a conjecturé une négation. Il a écrit « an forte » ou « coregussi ». Il avait au début écrit « me coregussi » et il a écrit après « ou coregussi », mais ce sont les deux négations du grec. Ensuite, on relève que le texte grec que cite le philologue suisse dit que le corbeau négligea l'injonction qu'on lui avait donnée d'aller chercher de l'eau car il était occupé à s'accoupler. Et l'agneu eto, Gessner cite le mot grec, que l'on retrouve effectivement dans son manuscrit, mais il n'y a là rien d'original. Et il propose dans sa traduction, c'est là le second élément intéressant, il propose la conjecture estrague eto. Il écrit malim estrague eto. Il comprend ainsi que le corbeau traînait les pattes, pour ainsi dire, dans l'exécution de cette tâche. Sa conjecture est mue, à mon avis, non pas tant par une recherche de décence que par la volonté d'accorder cette version de Denis avec les fastes d'Ovide et la narration d'Hygin, deux textes qui sont cités juste avant et qui expliquent le retard du corbeau par le fait que, étant tombé en chemin sur une figue pas tout à fait mûre, l'oiseau a pris le temps d'attendre que le fruit soit à point avant de s'exécuter. Donc cette variante que propose Gessner, elle est unique dans l'ensemble de la tradition manuscrite et elle se retrouve, comme vous pouvez le voir, dans la marge du manuscrit de Zurich où il a écrit « an estrague eto ». Dans la mesure où toutes les conjectures ou corrections que Gessner a apposées dans son livre se retrouvent dans l'histoire des animaux et réciproquement, on peut donc conclure que ce manuscrit de Zurich est le modèle que l'on croyait perdu. La question qui se pose maintenant est de savoir comment le médecin officiel de la ville de Zurich, qui se plaignait beaucoup de l'éloignement des livres et des manuscrits par manque de temps et par manque d'argent, comment il s'est-il procuré ce manuscrit grec ? Alors, dans sa somme bibliographique parue en 1545, la Bibliotheca Universalis, Conrad Gessner attribue à Oppien un poème en 5 chants sur les oiseaux que l'imprimeur vénitien Jean-François d'Azola lui a affirmé avoir en sa possession. Il précise qu'en dépit de ses instances, l'héritier d'Aldemanus n'a jamais daigné lui montrer ce codex des Ixotiques, de sorte qu'il le soupçonne fortement de mentir, ce en quoi il avait raison. Il ajoute, et la précision est très intéressante, au niveau de la flèche rouge, « Ego paraphrasin tantum autoris in nominati in duos libros divisam, venetiis manuscriptam non quisci potui ». Donc il ajoute qu'il possède une paraphrase de ce poème qu'il a acquise à Venise et qu'il attribue un peu plus loin au sophiste Eutechnius. Donc la suite de l'enquête nous mène à l'article Eutechnius de ce même dictionnaire, dans lequel Gessner, qui est un savant sur lequel il est agréable de travailler puisqu'il consigne absolument tout par écrit, donc il écrit dans l'article Eutechnius qu'il a vu chez Arnold
Arlenius, bibliothécaire de l'ambassadeur Diego Hurtado de Mendoza, il écrit qu'il a vu un manuscrit qui rassemblait sous le nom de Technius les paraphrases des poèmes d'Oppien, donc la paraphrase sur les Ixotiques. On a donc, grâce à la notice Oppianus et à la notice Eutechnus, un premier élément de réponse à notre question. Le naturaliste s'est procuré ce texte sur les oiseaux à Venise. On peut en outre situer cette acquisition à l'été 1543, seule visite que Gessner effectua dans la cité des Doges, sur l'invitation, précisément, de l'érudit flamand Arnold Arlenius. Un second élément confirme cet ancrage historique, et c'est la main grecque du copiste responsable des 14 folios de Gessner, puisque cette main, en réalité, on peut l'identifier, il s'agit de la main d'un scribe qui s'appelait Petros Karnabakas, et qui précisément était employé à Venise dans les années 1540 par l'ambassadeur de Charles Quint. Il a copié pour lui pas moins de 17 manuscrits. On comprend dès lors que Conrad Gessner a obtenu sa copie à la demande de l'ambassadeur, du bibliothécaire Arnold Arlenius. Il avait obtenu sa copie d'un des scribes qui travaillait pour son maître, l'ambassadeur espagnol. La précision avec laquelle on peut déterminer le contexte historico-culturel facilite le travail de classement thématique de ce nouveau témoin, puisqu'on sait en effet que 4 manuscrits au moins étaient présents à Venise dans les années 1540. Les manuscrits S et E étaient la propriété du diplomate espagnol. Le manuscrit M était également présent à Venise à la Bibliotheca Marciana, et le codex F qui appartenait à un érudit du nom de Georges de Corinthe. Alors, dans la mesure où la copie préservée à la Zentralbibliothèque de Zurich présente les nombreuses omissions propres à M, il faut d'emblée exclure une filiation avec S. Par ailleurs, Petros Karnabakas, le scribe, étant intervenu dans les requentures E et F, il y a de fortes chances pour qu'il ait utilisé pour l'exemplaire destiné à Conrad Gessner l'un de ces deux témoins. Alors, outre la méthode traditionnelle de collation des témoins, il y a plusieurs indices liés à la mise en page qui prouvent que E, codex de la bibliothèque de Diego Hurtado de Mendoza, dont j'ai montré une planche au début puisque c'était le codex que les éditeurs avaient identifié comme étant possiblement le modèle de Gessner, eh bien E, en réalité, est le modèle qui a été utilisé pour la copie du manuscrit G conservé à Zurich, qui est le manuscrit personnel de Conrad Gessner. Et donc on a plusieurs indices liés à la mise en page qui nous le prouvent, je n'en prendrai que deux. En face du chapitre consacré aux perdrix, Gessner a ajouté de sa main, vous le voyez dans la marge, il a rajouté ce qui constitue une omission de sa copie. Et cet ajout, en réalité, correspond précisément à une ligne dans le manuscrit E, dont j'ai reporté un détail sur la droite. La pénultième ligne commence par tas mixeis, etc., comme exactement l'omission qu'a ajouté Conrad Gessner. Un autre exemple, dans le chapitre relatif à l'oiseau qui s'appelle le Théochronos, Conrad Gessner a raturé une ligne parce qu'elle a été copiée deux fois par le scribe. En réalité, cette erreur du scribe peut s'expliquer par un saut du même au même, puisque dans le manuscrit E, on voit, sur les deux dernières lignes de l'extrait que j'ai mis, qu'on a deux fois l'infinitif einai, l'infinitif du verbe être, qui sont quasiment l'un sous l'autre, einai notos, einai bouletai. Donc en réalité, la répétition du scribe Petros Karnabakas est liée à un saut du même au même dans son modèle. Alors, en voyant cela, on pourrait penser que le naturaliste zurichois a eu accès à un autre témoin de la paraphrase aux Ixotiques qu'il aurait utilisé en contamination dans son exemplaire personnel. En fait, il n'en est rien, ses notes marginales laissent entendre qu'il a relu son manuscrit à Venise même, à partir du modèle utilisé par Petros Karnabakas, qui était présent, donc ce modèle, dans la bibliothèque de son illustre hôte. Cette copie de la paraphrase aux Ixotiques, dont il a vérifié l'exactitude à Venise même, a été largement exploitée par Conrad Gessner, aussi bien sur le plan philologique que sur le plan du savoir ornithologique. On sait par l'entrée Eutechnus de sa Bibliotheca Universalis qu'il avait, dès le début, l'intention de donner l'édition princeps de ce petit traité. 12 ans après son séjour vénitien, en 1555, lorsque paraît son Histoire naturelle des oiseaux, cette édition n'a toujours pas vu le jour. Cependant, une note autographe en marge de son exemplaire personnel de la Bibliothèque Universelle, donc ça c'est l'exemplaire personnel
de son ouvrage, hein, donc que c'est l'exemplaire personnel de Konrad Gessner qui est préservé dans la section des livres rares et anciens de la bibliothèque de Zurich. Et il l'a abondamment annoté. Et dans son dans cette note en marge de son exemplaire personnel, on voit qu'il a entre-temps travaillé sur la paraphrase, puisqu'il écrit « Ant paraphrasin nos latine redidimus hoc anno 1547 ». Donc j'ai traduit cette paraphrase en latin cette année, en 1547. C'est-à-dire 4 ans après son séjour à Venise et l'acquisition de son manuscrit portant ce texte. Donc c'est précisément cette traduction latine qu'il mentionne, dont l'original manuscrit est à ce jour perdu, qu'il publie par bribes dans son Histoire des oiseaux. Dans sa somme zoologique, le médecin suisse morcelle le texte en fonction de son propos, le corrige et le confronte aux témoignages d'autres auteurs, y compris des naturalistes contemporains que sont Rondelet, Bellon, etc. L'essentiel de sa traduction est inséré dans les rubriques C et E de ses notices ornithologiques qui sont consacrées respectivement à l'éthologie de l'espèce décrite et à son utilité pour l'homme. C'est en fait tout le troisième livre de la paraphrase qui traite des modes de capture des oiseaux qui converge dans la rubrique E consacrée donc à l'utilité des espèces pour l'homme. Donc lorsque, en 1562, 3 ans avant sa mort, le médecin zurichois, à l'image de Galien, décide de donner un petit opuscule biobibliographique, la De Libris Ace Editis Epistola, donc le catalogue des 67 ouvrages qu'il a fait imprimer. Il ajoute en appendice à ce catalogue un petit appendice donc, qui est consacré aux ouvrages qu'il a encore sur le métier. Il y recense les 18 livres qu'il projette d'éditer, mais n'est pas certain de pouvoir publier avant la fin de sa vie, au premier rang desquels son Histoire des plantes qui ne verra effectivement jamais le jour de son vivant. La cinquième entrée de cette liste témoigne de ce que 19 ans après l'acquisition de sa copie de la paraphrase aux Ixotiques à Venise, le savant suisse n'a pas abandonné son projet d'édition. Elle ne verra cependant jamais le jour, il n'a pas eu le temps de publier cette édition qu'il voulait publier depuis très longtemps. Cependant, en 1776, l'helléniste Johann Gottlob Schneider, peu convaincu par l'édition Princeps de la paraphrase donnée en 1702 par le professeur danois Rasmus Winding, donc cet helléniste fit paraître une nouvelle édition accompagnée d'une traduction latine, toutes deux étant attribuées dans le titre de l'ouvrage, comme vous pouvez le voir, à Konrad Gessner. De fait, on trouve dans son texte, dans son texte grec, des conjectures du manuscrit de Zurich, et la traduction latine est bien celle de l'Histoire des oiseaux. Est-ce à dire que le savant allemand a eu accès au codex préservé à Zurich ? En fait, il n'en est rien, puisque le témoignage de l'introduction et la lecture des notes qui accompagnent en fin de volume cette nouvelle édition nous enseigne que Schneider s'est livré avec bonheur à l'exercice périlleux qui consiste à deviner, d'après la traduction latine qu'il a patiemment collectée dans les 800 pages de l'Histoire des oiseaux, eh bien il s'est livré à l'exercice périlleux qui consiste à deviner la leçon grecque que devait porter le manuscrit du savant naturaliste. Il a ainsi rendu hommage au travail philologique remarquable accompli pendant plus de 20 ans par Gessner, travail dont devront tenir compte toute nouvelle édition moderne et tout commentaire de ce texte méconnu. Les doubles compétences d'helléniste et d'ornithologue de Konrad Gessner ont en effet permis un avancement significatif de l'établissement du texte, mais aussi de la compréhension des réalia auxquels il renvoie. Quoi qu'il en soit, on peut noter en conclusion que Johann Gottlob Schneider a ainsi réalisé le souhait exprimé par son homologue suisse en conclusion de sa De Libris Ace Editis Epistola. Gessner y écrivait en effet que la liste de ses ouvrages demeurés inédits avait pour vocation de transmettre le flambeau à tout homme de lettres qui se sentait capable de reprendre un de ses travaux inachevés, car, continuait-il, sa longue et sage expérience lui avait enseigné, selon le proverbe grec, qu'il y a beaucoup de chemin entre la coupe et le bord de la lèvre, pola metaxu pelei, kulikos, kai keileos akrou. Je vous remercie.